coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va se retrouver comme d'habitude avec une nouvelle vidéo, bien sûr, mais cette fois ce n'est pas un on-ose. J'ai reçu un petit courrier de la part de Hugo Images. Donc j'avais demandé un petit livre, un petit album comme ça, sur mon groupe favori du moment, BTS. Donc c'est un groupe sud-coréen très à la mode en ce moment. Alors, ils ont. Enfin, c'est pas. Il y a eu un petit livre de sortie, un album bien sûr non officiel, qui est sorti début octobre à 9,95 €. Donc, si tu aimes BTS, moi j'adore. Bon, je ne connais pas encore tout l'univers, mais je découvre et franchement, je suis ravie d'avoir pu obtenir ce trésor. Voilà. Donc, ce petit livre, il s'agit d'une sorte d'album photo avec plein d'informations sur le groupe. Donc, ça, c'est tous les membres du groupe. Donc, ils font évidemment de la K-pop. Hein. Alors, si tu ne connais pas, je mettrai des petits liens vers des chansons que tu peux écouter, que j'aime aussi écouter tous les jours. Hein. En faisant mon ménage, voilà. Donc franchement, ça c'est super top. Là, c'était quand? C'était le week-end dernier. Ils sont venus en concert à Paris. Bon, j'ai pu voir un peu sur Instagram des petites vidéos des personnes qu'ils ont filmées, qu'ils ont pu assister au concert. Le concert qui a dû se vendre, enfin les places ont dû se vendre en une matinée aussitôt. C'est affolant. Donc, on a sur la culture coréenne, donc avec les autres d'autres groupes de K-pop, mais bon, pour le moment, c'est vraiment BTS mon préféré. Donc voilà, je trouve super bien rempli. Donc on a évidemment les BTS, les 10 piliers d'un succès. Donc on a toutes les infos qui retracent un peu leur parcours aussi. Ensuite, on a évidemment de magnifiques photos, franchement, elles sont trop classe. Voilà. Ah là 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 là, mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, oui. Je te fais quand même partager quelques petites photos, mais elles sont trop trop top. On a par exemple un membre du groupe avec toutes ses références, enfin ses petites infos. Donc on a au niveau de la fiche d'identité qui est très complète. Donc on sait combien qui pèse, combien qui mesure. Bon après c'est assez rigolo. Les surnoms, sa carrière qui est très intéressante aussi. Ce que les autres membres du groupe pensent de lui. Enfin disent de lui. Voilà. Petit carré comme ça. Avec des trucs rigolos, des petites anecdotes. On a aussi la discographie qui est très intéressante aussi. Donc avec tout leur album, j'essaierai de peut-être d'ici Noël de m'en acheter un. Enfin le dernier album, ça serait pas mal. Là il est assez difficile à trouver. Il est vite en rupture de stock. Hein. Donc on a toutes les. Je les connais pas trop par cœur, par contre leur nom. Alors là on a RM. Ensuite, on a. Vous allez me taper sur les doigts les méga fans, mais. Je débute, hein, je débute. On a Jin. Alors, ensuite, Suga. Après, J-Hope. Jimin. C'est trop mignon avec leur petite bouille, hein, j'adore. V. Oups. Hop, je me prends des petites affaires sur les genoux, c'est agréable. Hop, voilà. Ensuite, on a Jungkook. Je sais pas si on le dit comme ça. Et bah encore des petites photos de leur concert. Et franchement, ce livre est très rempli. Donc, si tu aimes la K-pop, je pense que ce livre est fait pour toi. Donc, quoi dire d'autre? J'ai reçu avec évidemment la petite feuille de description. Donc,
on peut savoir que BTS est un boys band, j'aime pas trop le terme, sud-coréen formé en 2013. Il se compose de 7 membres. Donc je les ai dit tout à l'heure, il y a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Il débute le 13 juin 2013 avec la chanson No More Dream. Et ils remportent de très nombreuses récompenses musicales dans leur pays. En 2017, ils remportent le top social artiste au Billboard Music Award en battant Justin Bieber avec plus de 300 millions de votes. Donc c'est quand même un gros groupe. Il devient même le numéro 1 sur iTunes, dans 73 pays. En mai 2018, Love Yourself se positionne premier lors de son entrée au Billboard 200. Position jamais atteinte par un album coréen. Quant au single Fake Love, il se classe 10e au Billboard, sur 100 évidemment, lors de sa première semaine en faisant de BTS le premier groupe et second artiste coréen après le chanteur Psy à atteindre le top 10. Donc voilà, il y a un petit mot aussi qui fait bien réfléchir quand même. BTS, bon là c'est la date est passée, a joué le 18 et 19 octobre à la Corel Arena, deux concerts complets en quelques minutes. Donc franchement c'est juste hallucinant. Ce groupe ne fait que monter et je pense encore un bel avenir devant lui. Donc voilà, je suis très contente, j'essaierai de te faire des petites photos. Je n'ai pas encore tout lu mais franchement ça vaut le coup. Pour 9,95€, donc petite idée de cadeau à Noël, voilà. Si t'as envie, laisse-toi tenter. Donc je te laisse. Je suis contente d'avoir pu avoir encore une fois ce livre. Je remercie à l'équipe d'Hugo Image pour m'avoir fait confiance et envoyé ce petit livre. Qui est déjà disponible évidemment en librairie puisqu'il est sorti le 4 octobre. Donc tu peux aller foncer le chercher. Moi je te laisse, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.